Nous sommes dimanche et c'est parti pour un nouveau concours. Je suis super excitée. Hier, j'étais vraiment mais excitée comme une puce. Aujourd'hui, nous allons à Guespolsheim. J'ai engagé la Club 1 et la Club Elite. Je peux faire des Club Elite jusqu'à fin février. C'est soit la dernière, soit l'avant-dernière parce que je crois qu'on part aussi la semaine prochaine, le 26, en concours à Eckversheim, là où j'avais remporté la Club Elite. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'indoor, c'est extérieur. Hier, il faisait super bon, donc je crois qu'aujourd'hui, il fait très bon. Le départ n'est pas trop tôt, c'est rendez-vous 8h à l'écurie. Là, il est 7h20, donc je vais partir. Et je suis trop excitée. D'habitude, je mets un jogging sur mon pantalon, mais cette fois-ci, je me suis dit que j'allais mettre un pantalon comme ça. Et ça passe. Et j'ai préparé mes pions, parce que j'avais vraiment très envie d'avoir des pions aujourd'hui, vu que là, ça fait un mois qu'on n'est pas sorti en concours, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Du coup, j'ai préparé les pions, il me suffit juste de les rouler. Vous y croyez, vous? Départ en concours un dimanche matin, il fait déjà jour. C'est le grand luxe. Par contre, je réalise que j'ai oublié mes lunettes de soleil et mon kawaii au cas où. Mais j'ai quand même peur qu'il pleuve un peu quand même là. Oh là 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 là, je vais regarder la météo parce que j'ai encore 5 minutes, au pire je retourne chez moi. Il y a possibilité d'averse, du coup je vais retourner chez moi chercher mon kawaii. Je voulais m'acheter un croissant, mais là où je suis allée, ils étaient hyper cuits. Je pense qu'ils avaient été un peu oubliés dans le four. Moi, je préfère quand c'est pas trop cuit en fait. Donc j'espère que sur le concours, il y aura des croissants et du café et que ce sera pas trop cuit. Ah, mon kawaii, il est tombé de mon vélo. Faut que je me grouille, en vrai, je commence à être en retard. J'ai fait de refaire ce petit aller-retour chez moi pour aller chercher mon kawaii parce qu'il commence à pleuvoir. Bonjour le camion. Salut, je te regarde. Je t'appelle depuis tout à l'heure. Faut absolument que je demande à Amine si je peux aller dans sa voiture. Parce que Mathilde et Léa, en fait, elles prennent pas la voiture. Salut! Ça va et toi? T'es fatiguée? Ouais. Ah bon? Bonjour, petite poulette. Ouh, le petit pion de tête a bien tenu. Je vais pas lui passer de coup de brosse parce que de toute façon, on a un box. Donc, j'aimerais bien. Enfin, quoi que non, en fait, je peux lui rouler les lunettes après. Je vais aller la faire marcher, ouais. J'ai la contente. Ma veste que je dois pas oublier. Ah oui, je vais quand même prendre. Ah bah oui, si je roule pas maintenant en fait. Non, je vais rouler maintenant quand même les pieds. Non, je vais la marcher. Je sais pas quoi faire. Bah, je peux la marcher toute la journée aussi, mais c'est bien si je roule les pieds maintenant. Je sais pas, j'en sais rien. Le cerveau de Julia Petitpois va exploser. J'ai trop chaud, mais je ne sais pas si j'ai chaud parce qu'il fait chaud ou parce que j'ai fait du vélo. Je vais mettre le reste de mes affaires dans le camion et je vais partir. Salut la puce, salut les puces. On est motivés de la tête aux pieds. Ouais, je vois ça. Ah, regardez, moi j'ai mis un pantalon. Pourquoi? Je sais pas, je me suis dit que ça changerait de d'habitude. Ouais, moi aussi. Ah, ça change de d'habitude, donc tu fais en... comme ça? Bah non, d'habitude je suis... Non, j'ai un pantalon blanc dessous, regarde. Ah, mais comment t'arrives à rentrer dedans? Mais bah, ça va pas la tête. Bah moi non plus. C'est parce que je suis allée 3 fois à la salle de sport, les gars. Ah, mais elle a mis deux pantalons. Mais c'est ce que Marie, elle fait. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer, puis ça rentre. Lucie, elle prend sa voiture ou pas? Lucie? Non, où elle va? Ok, je vais demander à Emeline, ça marche. Je vais demander à Emeline. Si vous voulez, Ah bah on va aller marcher la queen. Je vais lui mettre les protèges d'abord. Oui, tu reconnais. Oui, il est net. Ça va, t'es pas trop sale. Et il y a plein de failles dans la queue. C'est pas grave, au pire, je la referai.
Là, t'as bien dormi? Parce que moi, j'ai trop dormi. Et comme tu peux voir, je suis très excitée. Donc j'espère que tu vas arriver à suivre mon excitation, Goldie. T'as vu As? T'as vu As non, tout à l'heure? Je vais lui faire une démonstration de comment on bouge lentement. Le lentement, c'était censé être au pas, mais Goldie s'est mis au trot, je l'ai laissé. Et hop, dans la boîte. C'est pas qu'on dit. Scène 1, acte 2. Clap. Petite vérification dans l'écurie pour vérifier que j'ai rien oublié, mais je crois pas. Non, je veux pas. Non, parce qu'en fait, il y a déjà Lucie qui va avec Romain, alors comme ça, on sera trois bien. T'es fraîche, là? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha, mi salsa buena, abre la ventana. Escucha, ahora estamos gozando. On va passer maintenant à l'épreuve Fleur de Sage Grand Prix. On va aller chercher les box. D'ailleurs, tu pourras le filmer s'il te plaît sur mon tour. Oui. Merci. Parce que moi, je suis la pro pour filmer les tours. Bon, on a trouvé les box, mais ils sont à l'opposé du camion. Comme ça. C'est la première fois. Ouais, il y a que avec Vert où c'était. Ah non, le camion était à l'opposé, mais c'était à côté de la détente avec Versailles, donc ça allait. Cool. Par contre, les box verts, c'est nul. Lucie savait Goldie... où étaient les box, on avait pas besoin de faire d'aller-retour. En fait, on m'a dit ce matin, les box sont sur le parking, mais j'étais pas réveillée et on était encore au courant. Trop marrant. À tout là. Ah, mais moi je sais pas par quel chemin il faut passer. Bon, on les attend. Goldie, attends-moi. Elle est en forme, mais elle a l'air de savoir exactement où est son box. Goldie installée, c'est des box démontables. Elle aime pas spécialement ça, mais bon, on va devoir faire avec. C'est toujours mieux que le camion. Mais t'as pas de box? Non. Comment ça, t'as pas de box? T'en as pas pris ou t'as... Non. Ah, je croyais que t'en avais... Je me suis dit, on va pas rester très longtemps. Ah, ok. Ouais. J'ai cru que tu avais... T'en avais pris un, mais qu'il t'avait oublié. Non. Okay. C'est les box démontables, Goldie elle était pas ravie d'aller dedans. Non, et puis apparemment il y a pas de foin. Non, bah non, mais ça c'était sûr. Ah ouais? Bah des fois il y en a. Hein. Ah ouais? Parce qu'à chaque fois en général on amène nos filets à foin. Il y a pas d'eau du tout par contre, donc il faut que j'aille lui mettre un seau d'eau. Y'a pas d'eau? Voilà, ouais. Non, il y a pas d'eau. Il y a pas d'eau, c'est des box démontables comme ça sur le parking, il y a pas d'eau. Comme sur les chantiers. Ah, on a réussi à faire rire le monsieur aussi. Bon, je crois qu'elle s'est calmée, donc ça va mieux là. Oh, il fait du bruit, celui de derrière. Du coup, je vais finir de rouler ses pions. Et après, on ira aider Lucie à se préparer. Dans ma poche, ce sera plus simple. C'est parti pour faire les pions. Bien oui. C'est bon, les pions sont faits. Par contre, je sais pas trop ce que je fais pour la queue. Je sais pas si je la défais, je la recommence. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est pas très long à faire. J'ai un peu brossé et tout, mais il y a tous les petits poils qui sont sortis et il y a du crottin, de la paille et tout. Et ça va être bien. Du coup, je vais défaire l'élastique et je vais la recommencer. T'es d'accord? Oui. Je vais aller à la reco de Lucie et je lui ferai après.
suis venue chercher une petite carotte de brocoli. Bah oui, quand même. J'ai l'impression qu'elle fait comme ça avec les fesses. Mais c'est ce qu'elle fait, non? Du coup, toi, c'est comment? Jamel. Ah oui, c'est une bonne table. Ouais, trop gentil. Ensuite, là, pour Léonore, Lola, s'il vous plaît. Wiggle, wiggle, wiggle. Et ensuite, Léa. Et après, je crois que ce sera fini. Après, il n'y a plus d'angle dans le style. Il y avait surtout plus de batterie dans la caméra. Ma poupée, tu veux une petite carotte? Oh oui, t'es très sage pour l'instant. Tu trouves le sable confortable? Ah ouais, non mais regarde, ça, il est tout... Tu t'enfonces ça, pas. Attends, mais ça c'est du sable de Fontainebleau, non? Tu t'enfonces. Ah, c'est de la bonne carte. En toutes circonstances, Lucie avec son sac à main. Regardez, il fait faire semblant du volet. Tout le dé pour la vidéo. Lucie, faut que tu te concentres, hein. Pleine recours là, concentre-toi Lucie. Mais elle est aussi là. Mais oui, on... genre qui passe la dameuse pendant les recours, ça me fait peur. Genre il part du principe que tu dégages quoi. Genre. Bah en même temps, ça moi je dégage. Hein. Moi, ça fait peur. Oui moi aussi, surtout quand c'est lui qui conduit. Il roule un peu vite. Hein. Ouais, bah oui, il roule. La 50 sur la carrière. Alors que tu sais, au hockey, le gars qui passe la dameuse pour resserrer la glace, tu vois, il est trop zen comme ça, tu vois. Puis ça va à 2 à l'heure. Et vu que je vais régulièrement voir le hockey, j'ai une petite image d'illustration pour vous. Accouche-toi, cette nuit j'ai cauchemardé que Goldie se faisait taper par une voiture. Oula, j'ai envie d'en pleurer encore, je me suis réveillée mais en panique, mais horrible quoi. Genre, je sais pas si c'est des rêves prémonitoires ou quoi, c'est horrible. Je rêvais qu'en fait on était au concours et genre qu'elle se barrait et qu'elle allait sur la grande route à côté et qu'il y avait une gamine qui arrive en courant, elle me dit bah Goldie elle est morte, elle s'est fait taper par une voiture et tout. C'est horrible, rien qu'y penser ça me donne des frissons quoi. Sympa. Qu'est-ce que tu fais? Je suis Lucie en train en pleine concentration. Tu fais autre chose aussi, mais ouais, plus. T'es pressée? Non. Non. Tu vois, pas trop mes potes, moi je suis comme ça. T'es bien là? Tu peux pas passer? Alors je suis sûre que ça va bien se passer. Elle est stressée, elle s'agite dans le box parce qu'il y a personne en face et il y a Baraka qui va faire son tour, t'es juste à côté d'elle. Oui ma pauvre. Elle va revenir ta copine. Elle va revenir dans pas longtemps. Dans 20 minutes elle revient. Hein? Goldie est une jument extrêmement grégaire, du coup dès qu'il y a plus ses copains à côté, elle panique. Du coup je lui ai mis son licol et je suis allée me promener un petit peu pour la détendre. Je suis concentrée. Ça va être le tour de ma pou. Mais oui, rentre ma puce, rentre. Bah non, attends, elles sont déjà encore deux sur la grasse. Et Matou nous a fait un très très beau sans faute. Bon, je crois que Goldie est si calmée. T'es calme. C'est bon. Il y a Lucie qui saute. D'habitude, tu vois, quand il y a des problèmes au paddock comme ça, genre ça me tend et moi je fais n'importe quoi là, j'ai réussi. Bah oui, normal. Calme. C'est bien, elle est bien là. Bon, Lucie est partie et on a entendu quelqu'un sortir de la piste en insultant son cheval de p***. Et ça, c'est vraiment les gens qui s'achètent des trop bons chevaux qui ont trop d'argent, qui ont aucune patience. Alors sa jument, elle est géniale, c'est juste que lui qui monte comme une grosse. Ça m'a tellement choquée que j'avais besoin de crier ma rage à la terre entière. Goldie va retrouver sa copine. Oui, la voilà. Attends, il y a un problème avec le cheval derrière? Mais non, mais elle a dit que c'était un entier, c'est pour ça que c'était un. Moi, je suis allée super bien. Pourquoi tu lui mets ça? C'est parce qu'elle est blessée. Bien sûr. T'as pas des cloches? Bah, les cloches, c'est plus haut. Bah, deux frites. Ouais, deux frites, s'il vous plaît. T'as la pointe, toi? Je ne sais pas. Ah mince, j'ai quelques 5. Ça te donne un. Je lui mets 3. C'est 3. Ah, c'est 3. Ah oui, c'est 3 en tout cas. Oui, comme ça tu lui donnes 6. Pardon, prenez 6. On va y arriver. Les blondes. Ah oui, elle est comme ça. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Les frites, c'est trop bon. Les filles sont allées faire la reco et nous, bah, on est en train de marcher les chevaux. Et il y a un silence de mort.
tout le monde marche studieusement en randonnant. Mais calmement. Mais calmement, surtout ouais, dans le silence. Surtout dans le silence. Tu veux dire un petit mot à la caméra, Cracotte? Oh! Eh, hey, bien joué! Cracotte, t'es où? Cracotte! Elle veut pas se montrer à la caméra. Tu veux que je te refasse un peu poids? Vaut mieux être gentil que. Je sais. Mais surtout que là, c'est un peu. En fait, là, ils me font tous rire parce qu'ils ont tous. Genre, les gars, on est en club 2 là. Genre. Attends, j'arrive. Et ça a fait coucou! Bon, bah, bon courage! On est motivé de la tête aux pieds. Allez, Fifi, on prend en toi. Le numéro 1. Le numéro 1. Arbeit. Oh, mais on a le même mort. On a le même mort, meuf. Ah ouais? Ouais. Mais je pense que je. Allez, les gars! Oui! Allez, sympa. Ah, oh, mais c'est pas possible. Allez, les gars! Ah, pas trop loin! Allez, Léa! Bon, bah malheureusement, c'était pas le jour de Léa. Elle a été éliminée, et quand t'es éliminée, tu as le droit de ressauter un obstacle. En général, on saute le numéro 1. Il y a des concours où tout se passera très bien et Fuchsia passera tous les obstacles, et d'autres concours où elle passe pas le 3. Si vous voulez faire des commentaires sur cette situation, n'hésitez pas, mais s'il vous plaît, faites-le de manière bienveillante et constructive. Tu veux pas voir un petit coup, Nini? Je vais lui refaire sa petite nappe de queue maintenant que Baraka est revenue, elle est beaucoup plus calme. Du coup, ce sera beaucoup plus simple. Oui, tu kiffes. Ouh là là, c'est bon ça. Tu kiffes. Oui. Nappe de queue, mais elle avait. Elle firme vraiment. Non, mais c'était pareil, hein. La meuf, elle avait que ça tout le temps sur Alésia. Du coup, t'es classée? Je sais pas. Ah, mais ils sont oui, c'est bien. Les tours, ils sont hyper longs. Ouais. Ah, tu me pètes dessus. Elle m'a pété dessus, cette grosse. Simon, elle est toute prête. Elle est toute prête. Ça va être trop génial. C'est moi faire des enfants. Comment tu fais pour monter avec des sous si longs? Déjà, je voulais montrer. Voilà. Tu sais qu'Alice, elle s'est arrachée chez moi, comme ça. Ouais. Et tout va bien. Ah ouais, super, non, mais comment vous faites? Moi, je peux pas. C'est des trous. Et la petite astuce, quand on a des longs ongles, il faut prendre une taille de gants supérieure. Ah, moi, j'ai des trous. Non, mais en vrai, ça donne pas. Tu tapes pas où dans le coro? Tu tapes pas les dents? Non, oui, non. Moi, de temps en temps, quand je me fais des extensions aussi, je me tape systématiquement dans le coro. Dans le coro, ça fait super mal. C'est possible. Oui, gros anglais. C'est compliqué, j'avoue. Oui, elle s'est arrachée tout le long, elle s'est arrachée, c'était dégoûtant quand même. Merci Goldie. Je vous explique l'histoire. Il y a plus d'un an, Alissa avait sorti Goldie sur un tour de Club 1 et de Club Elite. Alissa, c'était une cavalière qui montait dans notre écurie depuis super longtemps, mais elle a eu des problèmes de poignet, du coup elle a dû arrêter. Elle ne s'était pas beaucoup entraînée de sauter avec Goldie avant le concours. Malheureusement, le tour de la Club Elite avait été particulièrement surcoté, ce qui fait que Goldie lui a fait un énorme stop, et Alissa, c'était la reine des faux ongles. Suite au refus, elle a fait un salto avant en réception sur les pieds, sauf que son ongle est resté coincé et il s'est fait à moitié arraché. Ça pissait le sang, c'était horrible, et elle a dû aller à l'hôpital. Ils sont stressés. Et toi, t'es stressé? Toi, c'est bon, t'as déjà. Non, oui, t'as plus rien à faire. Bah, tu peux que gagner, en gros. Autant faire double éliminé, hein, pour les stats, hein. Tu vas arriver à avoir tes points pour la mode? Moi, je mets pas la mode, hein. C'est pas vrai, je mets pas la mode. Ouais. Oui, c'est vrai que payer 1500 balles la motte pour s'arrêter sur le On va encore réfléchir. Hein. Ouais. Parce que je suis qualifiée en équipe, mais pas en individuel. Et si ma puce, elle saute pas, pas y aller. Personne ne voudra faire équipe avec toi. Au pire, je serai le joker. Ah, oui, voilà, au pire, t'es le joker. C'est un éliminé, on s'en fout. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de payer 1500 balles. Oui, c'est clair. C'est l'heure d'aller chercher les affaires. Je suis stressée. Je sais pas si je peux passer par là. Non, je peux pas passer par là, je crois. Je sais pas. Je peux passer par là? Non, je ne peux pas passer par là. Si, je peux passer par là. Ça doit faire 7 concours que je fais en Club Elite. J'ai toujours aussi peur. En fait, là, j'ai surtout peur qu'ils surcotent parce que c'est, l'endroit est assez connu pour surcoter. Pour l'instant, allons chercher les affaires. Never could have been thinking I would know what the future bring.
All the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. It rains down on me. All the phone calls I'm ignoring. See, I'm a mess, just trying to guess my way through this. Just don't get enough of me. Tout à l'heure, je suis revenue, il y avait plein de paille dans la queue et je me disais, mais elle s'est roulée, mais elle avait pas de paille sur le corps. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que c'est à cause du fil à fond. Bon, on retirera après. Je suis stressée. Je suis stressée à un point d'en pleurer. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai fait concours et là, je suis très stressée. Ça, genre, ça fait 7 clavelites que je fais, mais j'ai toujours l'impression que je sais pas le faire, quoi. Ah, non plus. Ouais, je peux compter sur toi, moi. Mmh, elle a accepté. Ah, déjà prête ? Bah oui, moi, tu m'as dit... Mais non, regarde, là. C'est même pas à nous, en fait. C'est pas grave. J'adore quand Elodie vient au concours parce qu'elle me fait toujours beaucoup rire. Oh non, cracotte ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a bu et elle a lâché toute l'eau dans mon cul. Ça va pas être agréable. Hein. Je suis stressée. Tu m'étonnes. Mais ça va bien se passer. Ça se passera comme ça se passera. Moi j'ai pris ma bombe Sam Shield parce que j'ai peur de tomber aujourd'hui. Parce que t'as ouais, un peu du SAV. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est la dernière année où je peux le faire. Parce que tu sais, c'est que pendant 5 ans. Ouais. Et là, ça va bientôt faire 5 ans que je l'ai. Donc. Lesson learned. When you're on my mind, it's a curse not having you around. I wasn't ready to say goodbye. Pour la 150e fois, je suis en stress. How I feel and in my sight. La repos est ouverte. Je suis toujours si stressée. Clap. Alors je sais pas quoi dire pour commencer, mais bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On encourage Julia. Répondez en commentaire si vous connaissez la blague, parce que je pourrais pas la faire en plein vlog. Voilà, allez, bye. C'est bon, t'as eu tes cadeaux? Oui. Je sens pas, moi, je suis là. Et en passant devant... Ici, Albert au portail. On va avoir les 4 pieds posés par terre. Ils sont bons. J'ai gagné des bonbons, ils sont succulents. Ah. Ils sont gratuits donc ils sont bons. Ça c'est notre conclusion à tout dans la vie avec Mathilde. Quand c'est gratuit, c'est incroyable. Par un double. Tu te détestes ça. Voilà. Mais c'est autorisé ça? Ouais, c'est autorisé. Ah, oui. Tu peux faire vous une arrivez, entrée en double. Vous arrivez pas à regarder. Ah, Yolia, ça fait trop mal. Ma puce, mon avis sur le parcours. Bah, il est long quand même. Ça tourne beaucoup alors que genre ça tourne direct après. Attends, le... tu vas pas arriver jusqu'à après là, le 7. Bah, c'est ce que j'ai dit franchement. Après le 6, non, moi, je rigole. C'est vers la sortie. C'est vers la sortie. Et c'est le combat de chiens. Qui c'est qui va gagner? Waouh. Pendant que Julia fait sa reco, Goldie est à sa meilleure vie. Oh, c'est dur, hein, Goldie. Oh, c'est dur. Ouais. Bonjour. Oh, à Gogolita. Je comprends mieux pourquoi la mousse est verte sur les photos. Oui, je suis toujours la dernière à finir mes recos. Mais ça va parce que ma petite Goldie, elle est toujours, toujours bien patiente. Selena, quand elle était plus jeune, elle montait dans notre écurie. Ça m'a fait super plaisir de la voir.
Ouais, c'était un merveilleux parcours de Clevilite. Je suis pleine d'émotions. La Clé 1, le parcours a été génial parce que j'ai réussi à faire toutes les options que je voulais. Mais j'avais fait cette petite barre sur le 2 parce que j'ai eu un manque d'équilibre, j'ai attaqué très très fort. Et là, vraiment, je me promenais sur le parcours. C'était un bonheur. Pareil, j'ai réussi à faire les options. Donc, bonheur de chez bonheur. Et mon œil, maintenant, a complètement intégré la 105. Genre maintenant, mon œil voit parfaitement 105. Je trouve plus du tout que c'est haut. Maintenant, c'est devenu une habitude. Et donc du coup, ça confirme la théorie que au bout de 8 fois, on s'habitue à quelque chose. Je crois que c'est mon 8e concours en 105. Oh mon dieu, je suis trop heureuse. Oui, bravo ma Vivi. Bravo ma poupoute. Oh, Berk. Moi, comme d'habitude, elle s'en fout. Il n'y a que moi qui suis heureuse. Ce qui est pas plus mal au final. Mais... Ouh, bon, je vais bien la marcher là. Je vais la déceler, bien la marcher, et comme d'habitude je filme pas parce que cette partie elle m'appartient vraiment et j'ai vraiment envie de passer du temps en fait avec elle et la remercier pour tout ça parce que là c'était vraiment exceptionnel. On a réussi deux options, j'ai pas fait la troisième parce que je l'avais pas fait sur la Club 1 et je m'étais déjà dit j'ai déjà fait deux options, génial, ne gâche pas tout maintenant quoi. Vraiment, je suis vraiment trop contente, vraiment trop trop contente, génial. Bon bah du coup je vais m'occuper de Gauthier, à toutes. Voilà, mange le foin plutôt parce que la pâte c'est pas bon. Je suis deuxième, on vient d'entendre les résultats. La Clevilite a été remportée par... Tu vas marcher sur le tapis rouge, hein, je te dis comme c'est. Non, non. Le problème avec les remises de prix de fin de journée, c'est qu'il n'y a personne et il n'y a pas d'ambiance. Voilà. Voilà, on sourit à personne. La championne. J'ai eu une magnifique trousse. Genre incroyable. Ah, donne. Ça c'est le meilleur, ça c'est le meilleur look. Et j'ai une petite coupe. Celle-là est particulièrement mignonne. D'ailleurs, ça devient la mode de faire des petites coupes, il me semble. Oh, c'est, je te jure, hein. À Truche déjà, ils font. Merci beaucoup. À Truche, ils font déjà des petites coupes. Oui, bien sûr. Félicitations, la troisième. Et on, bravo, ils te disent qu'elle est épuisée. Tu peux lui donner son lot, tu peux lui donner son lot avec sa petite coupe. Avec le gel dans la main, parce que j'ai couru. T'as déjà donné le cheval. Bah, j'ai donné le cheval, ma selle, le truc. Mais donc du coup, t'as déjà mis Vecteur dans le truc. T'as déjà mis Vecteur dans le... Oui, bon, moi, ok, bah, faut que j'y aille alors peut-être. Je fais courir, Julia. Cours. Bon, en fait, on embarque direct, donc du coup, il faut absolument que j'aille chercher Goldie et la mettre dans le camion. Mais je me demande pas s'ils l'ont pas déjà fait en fait. And you never said a word. In 2 hours and now we said it all. Just think about what we did. You never worked. I can tell you don't care. Alors, contente de cette journée, Lucie? Très contente. Et toi, Marie? Et toi, Elodie? Moi, je suis trop contente. Je suis contente de toi aussi. Oui, moi aussi, je suis contente de toi. Juste un peu déçue pour la Club. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, ouais, après, un peu plus. Je me suis dit, ah, Emeline a fait la même que moi. Donc je me suis dit, ah, c'était pas une erreur, c'est pourri que ça alors. Je vous l'ai déjà montré, mais je vous remontre aussi une erreur. Oui, c'est huile moteur. Trop marrant. Et d'un coup, je vois une tache brune par terre. Oh, c'est pas quoi que ça. Tu sais qu'à la motte, je l'ai en image, en plus, à la motte, je monte Goldie en claquette et j'avais un shirt avec des grandes poches.
Et du coup, j'étais un peu comme ça en claquette. Mon téléphone saute du truc. Il tombe au milieu du pont. Il y a Léa qui arrive juste après, ou Mathilde, et elles l'ont vu. Et heureusement, sinon, le téléphone. Ah, ouais, c'était mort avec les coups de sabot. Et je l'ai en image, hein. Rangeons les affaires maintenant. Et après, faut que j'aille m'occuper d'Argo, sans vrai. Mais ça va, je suis bien. Donc, pas de problème pour m'en occuper. Oh là là, ça fait des bisous. Des petits bisous d'amour. Epsilon pose le licol. Putain, il dit bonjour à toute l'écurie, quoi. Non, mais Argo, c'était le BFF de tout le monde, ou quoi? Je te laisse un petit coup. Tu es sage dans le manège, Argos? Non, il est pas sage. Il est pas sage. Et moi, je vais aller m'occuper de mon petit Goldie. Je vais aller défaire les pions à Goldie. Attends ton tour. Oh, ma poule, il faut qu'on retire tes petits pions aussi maintenant. Je crois que c'est le truc le plus chiant à faire en concours. C'est qui la jument la plus incroyable du monde? Et qui le sait pas. Qui le sait pas et qui s'en fout. Bon, je vais aller préparer un petit mash avec des pétés de carottes. Avec ces bananes noires comme ça là. Mais je lui donne pas la peau, je lui donne ce qu'il y a dedans. Non. Elles sont pas noires à l'intérieur. Bon, on recommence sans l'intervention de Mathilde. Je vais aller donner ça à Goldie, lui dire bravo à cette petite championne. Et on se retrouve pour le prochain concours, pour de nouvelles aventures. Je me pose sur la photo en même temps. Et je vous fais plein de gros bisous. Salut. Salut les puces, merci de nous avoir encore une fois tenu chance, portez chance. À la semaine prochaine si Dieu le veut. Voilà. Et voilà, avec des résultats, Inch'Allah. Exactement. Bisous. Sur le parmesan Lui, ouais, nous aussi on en veut, hein.